m'a plu, c'est le Super, en face de la gare, donc ça, je trouvais ça vachement bien. Déjà, c'est de faire sans arrêt des rencontres, avoir des gens. Agréablement surpris de la qualité du travail des étudiants. L'Expo Suisse sur la jeune génération, j'ai pas encore complètement compris la mise en scène. J'ai pas trop aimé les impressions laser, je trouvais que ça desservait un peu le travail qui est présenté, qui est génial. C'est plutôt la scénographie qui est mise en avant, les images sont... c'est un peu plus délicat. L'idée, c'est de donner une nouvelle image qui correspond avec l'image de Josef Müller-Brockmann avant 40 ou 50 ans et de présenter un peu la situation actuelle. Il y a 5000 graphistes à Zurich. C'était l'idée de présenter la quantité, c'est une chose, et sur l'autre côté de présenter une idée de repenser les choses aussi. '68, bien sûr. Paul Cox. Un projet intéressant. Ce que je regrette par rapport à ce paysage, c'est finalement de ne pas avoir accès à une vision par le dessus. Je trouve que c'est divertissant, mais je crois que j'ai pas tout compris. Bah, c'est une commande très large, mais disons qu'il y avait une double contrainte, donc la contrainte du lieu qui est assez forte, et puis quand même le contexte du festival de l'affiche et du graphisme qui n'est pas un festival d'art par exemple. Donc j'ai essayé de faire à ma façon, enfin, quelque chose qui réunissait des préoccupations qui m'habitent, enfin, à la fois par exemple le paysage, la cartographie, mais aussi la participation du public, enfin, impliquer le public d'une façon ou d'une autre. J'avais à l'esprit aussi un jeu de mots qui est un peu tiré par les cheveux, mais la proximité de play and pray. voilà, et puis j'avais aussi le souci, timidement, modestement provoquant, d'être un peu décalé par rapport au festival et de faire quelque chose qui puisse amener les gens à se dire mais quel rapport avec le graphisme. Je suis graphiste à 10%, en fait, je ne fais pas que ça, et un peu à ma manière, un peu amateur. Je pense que ce qu'avait Pierre à l'esprit, et en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu et c'est comme ça que j'ai accepté la sollicitation, c'est montrer peut-être pour une fois une sorte de cas un peu à part. Müller-Brockmann. Et y a là tout le temps quelque chose qui est une déclinaison de l'appartenance à une époque. Il y a l'esprit d'un temps, et je crois qu'il y a aussi ça dans l'art de l'affiche. Donc voilà, j'ai été très, très séduit. Qui est plutôt intéressante, surtout les commentaires que fait Müller-Brockmann de son propre travail, je trouve que c'est vachement intéressant. Donc c'est cette phrase que je trouve extrêmement saisissante à l'entrée de l'exposition, qui date de 95, un an avant sa mort, qui est « Je trouve la plupart de mon travail d'un ennui mortel et il n'y a que quelques affiches qui me semblent satisfaisantes ». Je trouve ça assez dingue. Et surtout, bravo à Vincent Perrotet pour la scénographie qui était vraiment très marrante, et plein de petits détails et tout qui était vraiment très intéressant. Hier, il y avait les Gang Paul qui ont passé des films et de la musique, c'était vraiment excellent. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ici, c'est la partie petite édition graphique. Salon. Salon. C'est pour ça qu'il faut suyer ses pieds à l'entrée. C'est un lieu de rendez-vous, c'est un lieu de contact, c'est un lieu de... Et il y a aussi, bien sûr, pas que des étudiants, comme je disais tout à l'heure, mais
il y a des contacts qui se créent et puis le public peut effectivement être en relation directe avec les personnes qui proposent ce qu'ils font. Très dynamique, je trouve, cette année, la sélection d'affiches. Voilà, et donc là, le festival de l'affiche, le jury vient de rendre les prix. Il y a des belles affiches. Les affiches qui ont été primées, on retrouve peut-être pas cette diversité qu'il y a là. Je suis un peu déçu des prix, franchement, parce que... Après, il y a plein d'affiches qu'on a beaucoup aimées. Jean-François Millier, je le dis d'abord, c'était un ami très cher, quelqu'un que j'adorais, avec qui j'ai beaucoup travaillé, quelqu'un qui, me semble-t-il, a renforcé, développé ce festival de Chaumont avec ses qualités propres. Il était véritablement un meneur, quelqu'un qui avait un goût de l'action et de l'efficacité extraordinaire, qui toujours considérait qu'il était au service d'une finalité, d'un objectif qu'il devait atteindre, dans le respect des compétences. Il y a des formes de légitimité dans la vie, hein. Il y a des légitimités de représentativité, c'est les élus, les politiques, etc. Et dans une démocratie, c'est évidemment quelque chose de fondateur. Mais il y a aussi des légitimités de compétences. La compétence de Jean-François, elle était d'abord une compétence d'humanité, c'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui aimait les autres. Hein. Il aimait les autres, il aimait travailler d'une manière collective, participer à une œuvre chorale, et puis il était quelqu'un qui était un réalisateur. Mais il était un réalisateur qui était en même temps sensible aux expressions artistiques. Donc c'est quelque chose de très rare, quelqu'un qui sait faire, qui est à la fois un régisseur, un concepteur, et en même temps quelqu'un qui écoute, qui sait se mettre en retrait par rapport au directeur artistique. Donc jamais il n'y a eu de conflit entre Jean-François, Pierre, Alex, Vincent. Il y a eu au contraire une complémentarité extraordinaire. Sans Jean-François, ils étaient perdus. Avec Jean-François, il y avait quelque chose qui faisait qu'il y avait un ensemble extraordinairement riche. Avec Étienne aujourd'hui, il y a une continuité, il y a une, je dirais presque une filiation, hein, qui est quelque chose d'émouvant aussi. Puis il y a, ici, présente Sylvie Canal, hein, la femme de Jean-François, actrice essentielle au sein d'un CDEP, à des CEP, pardon, de la vie de Chaumont. Et donc, c'est le drame de notre temps compté à nous tous. Hein, c'est que tout d'un coup, ça peut s'arrêter d'une manière injuste, d'une manière scandaleuse. Mais Jean-François, il est là. Et c'était quelqu'un de, encore une fois, de chaleureux, d'enthousiaste, qui aimait bien vivre, qui aimait bien vivre avec les autres et qui nous manque. Voilà. Merci beaucoup. Bon, moi, je continue ma promenade. D'accord, c'est vraiment très gentil. Merci.